Monsieur le maire, premier festival de l'escalade, c'est parti, c'est grâce à vous, quelques mots. Grâce à moi, oui, mais grâce aussi à une équipe derrière moi qui a œuvré énormément pour que ce premier festival puisse se réaliser. Et en plus de ça, donc aujourd'hui pour le premier festival, la météo est clémente et nous sommes actuellement sur le site pour faire découvrir à l'ensemble des responsables le futur site d'escalade sur la commune de Milly-la-Forêt. Monsieur le vice-président, bonjour. Vous êtes présent sur le premier salon de l'escalade du bloc à Milly-la-Forêt. Quelques mots ? Très heureux d'être ici. En plus, on a le temps pour nous. On est dans un site absolument exceptionnel. On est dans une région, tout ce sud-Essonne, qui a un potentiel touristique absolument énorme. Et l'escalade, ce tourisme nature, allié sport et tourisme, c'est quelque chose d'avenir. C'est un secteur qui est porteur. Et moi, je suis très, très heureux qu'à Milly-la-Forêt, on puisse avoir des sites comme celui-là qui voit le jour et avoir des manifestations comme ce festival qui se crée. Bonjour, alors bonjour. Vous êtes co-organisatrice du festival de l'escalade. Oui. Donc qui s'annonce déjà sous des beaux cieux. Oui. Dites-nous quelques mots sur le sujet. Bah écoutez, c'est vrai qu'en réunion d'adjoints, on a eu l'idée d'organiser quelque chose autour de l'escalade à Milly-la-Forêt. Parce qu'on voit bien passer beaucoup de touristes et on a beaucoup de jeunes qui grimpent. Et on se disait, bah, il n'y a pas d'activité pour eux, donc faisons quelque chose. Et d'une réunion comme ça, l'idée est partie. Et puis bah, ça a pris. La greffe a prise et on a eu des bénévoles, on a eu vraiment beaucoup, beaucoup d'engouement par rapport à ce projet et on est très heureux aujourd'hui de dire que ça y est, on y est, après des mois de travail, on y est et le temps est avec nous, donc c'est top. Alors c'est vraiment le début puisqu'on n'a pas vu de grimpeurs encore, on est au milieu de la forêt et de ces magnifiques rochers. Moi je découvre ce site pour la première fois, même si je suis milieu à quoi depuis longtemps. Et c'est vraiment magnifique, vous avez en plus la météo en votre faveur. Donc ce qui va être intéressant maintenant, c'est de voir les gens escalader ces rochers parce que j'ai jamais vu, c'est une pratique que je ne connais pas. Et je pense que ça va être très intéressant. Félicitations à toute l'organisation autour de Milly-la-Forêt, les élus et surtout le personnel de l'ONF et les services techniques qui, je crois, ont nettoyé le site. On m'a montré des photos avant de le visiter. Effectivement, il y a eu un travail considérable de fait. Donc, il n'y a plus qu'à attendre le succès, un nombre de grimpeurs importants et puis attendre avec impatience le deuxième l'année prochaine. C'est un parcours du combattant. Ça me va bien. Ça me rappelle quelques kilomètres les grands veaux ou quelque chose comme ça. Et franchement, j'adore. Mais je ne suis pas chaussée pour. C'est ça la prochaine fois. La prochaine fois, je reviendrai, c'est sûr. Premier salon de l'escalade, une presque déjà réussite, mais sans les bénévoles, nous n'aurions pas pu y arriver. Quelques mots ? Oui, bonjour, moi c'est Yannick, j'habite le quartier, la région de la forêt de Milly-la-Forêt. Voilà, et donc effectivement j'ai trouvé l'initiative très intéressante, initiée par la municipalité, par l'ONF et puis les grimpeurs. Et même si je ne suis pas grimpeur, connaissant la qualité du secteur, qualité paysagère, naturelle, ça m'a donné envie de m'investir. Voilà, donc pour une fois je trouvais que... Il y avait une matière innovante, on va dire, tournée vers l'avenir. Voilà, donc c'est ça qui m'a mobilisé. Parfait, merci voilà. Beaucoup et encore merci pour votre aide. Merci. Bien, bonjour, premier festival de l'escalade à Milly-la-Forêt, qu'en pensez-vous ? Écoutez, déjà c'est une belle couverte de cette forêt que je ne connaissais pas, puisque moi je suis plutôt du Dourdanais en Eurepoix, donc je connais un peu plus les forêts dans le sud, malgré qu'ici c'est aussi le sud de l'Essonne, sud-est de l'Essonne. En tout cas, moi c'est une belle perspective, un beau projet que le maire propose, et ça donne des idées peut-être aussi pour d'autres communes, du coup, parce que nous aussi on a pas mal de rochers chez nous, et pourquoi pas, à Saint-Chéron aussi, un festival de l'escalade, numéro voilà, deux. Numéro 2, pourquoi pas, en tout cas, je trouve ça très agréable, et il fait beau, on a commandé le beau temps, alors que demander de mieux. Bravo à vous tous en tous les cas. Alors Gaëtan, missionnée par la ville, co-organisatrice, très investie, quelques mots sur le festival de l'escalade ? Je suis hyper contente aujourd'hui, on a un temps merveilleux, le site est terminé, on a ouvert 150 blocs, tracé tout un sentier de 400 mètres, et les gens ont l'air d'apprécier, donc moi je suis... Mais je vous remercie, surtout,
Et je remercie la ville de nous avoir donné cette opportunité à moi et au club. Donc c'est magnifique et j'espère que ce site vivra et fera connaître l'escalade aux locaux et la durabilité aux étrangers. Digne représentant de l'ONF, co-organisateur, co-responsable de ce parcours pour le Festival d'escalade, dites-nous quelques mots. Oui, on a organisé. Moi, j'ai participé à la création de ce circuit avec Gaëtane, qui est pour vous votre interlocuteur privilégié pour ce festival. Donc, on s'est permis de créer cette boucle dans le respect de la nature. On a surtout sécurisé et on a balisé ce chemin pour que les gens n'utilisent que ce chemin et soient balisés et restent vraiment sur cette zone pour éviter de piétiner ailleurs et d'abîmer le reste de la zone.